Alors, si je devais ressortir de ce salon de l'automobile de Genève 2011 avec une voiture, eh ben, ce serait au volant de cette Morgane. Un, parce qu'elle me plaît, parce qu'elle est belle. Et deux, parce qu'elle est intemporelle. Et puis, elle me rappelle une anecdote. J'avais un ami architecte qui rêvait d'avoir une Morgane 2 plus 2. Donc, un jour, en sillonnant Paris, il en a trouvé une. Il a mis une carte de visite sur le pare-brise et il l'a achetée. Elle était magnifique. Il en rêvait, c'était la plus belle. Sauf qu'elle était mauve. À propos de journée de rêve, voici celle que nous avons offerte à Pierre. Il est agent immobilier, il a 37 ans, il a cliqué sur notre adresse internet, turbo.fr, et il est parti à nos côtés pour Madrid, l'Espagne, avec la découverte d'une nouvelle voiture, la Toyota Verso S. Enchanté. Alors, s'il y a bien une marque ancrée depuis des décennies dans la tradition de l'automobile anglaise, c'est bien celle-ci, Morgan. Y compris aujourd'hui avec des produits complètement décalés. On peut connaître le prix de... Le prix, peut-être en France, 40 000 euros. 000 euros, oui. Ah, ça oui. N'est pas donné, non. Franchement. Hein. C'est pas cadeau. It's not a gift. C'est moins cher que Supercar, oui, bien sûr.